Après avoir suivi les deux dimanches derniers plusieurs couples de frères dans la Bible, je vous propose de suivre maintenant l'histoire de deux sœurs, Marthe et Marie. Alors ce n'est pas la même Marie, bien sûr, que la mère de Jésus. Ce récit se trouve à un endroit clé de l'Évangile. Il sert à illustrer ce principe fondamental que nous donne Jésus pour vivre, d'aimer Dieu de tout notre être et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors c'est bien utile de nous donner à réfléchir sur ce commandement d'amour, car comment faire pour aimer à la fois Dieu à 100%, notre prochain à 100% et nous-mêmes aussi à 100%. Même si ces 300% se combinent parfois pas si mal, il nous faut sans cesse naviguer, au mieux naviguer à vue, en fonction des circonstances pour faire rentrer ces 300% dans les 100% de notre simple existence. Alors il faut donc faire preuve d'intelligence, c'est ce que Jésus nous propose, puisqu'en citant ce fameux commandement de la loi Moïse d'aimer Dieu de tout notre être, Jésus ajoute qu'il faut l'aimer de toute son intelligence. Et donc l'intelligence, oui, c'est bien, mais cela se travaille, cela se muscle. Et c'est ce que nous propose de faire ici l'Évangile, après avoir donné ce double commandement. L'Évangile nous propose ce récit de Jésus chez Marthe et Marie, ce récit qui s'ajoute à la parabole célèbre du bon Samaritain, pour réfléchir sur le dosage à trouver à chaque instant de notre vie pour concilier ce triple amour, amour de Dieu, amour du prochain et amour de soi-même. Alors je vous propose de suivre le cheminement de Marthe et Marie, le cheminement de Jésus, le cheminement de ses disciples qui l'accompagnent, pour essayer de réfléchir à cette question. Alors ce récit, il est dans l'Évangile selon Luc au chapitre 10, à partir du verset 38. Pendant que Jésus et ses disciples étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur, appelée Marie, qui s'assit au pied du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit, « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour de multiples choses. Or, une unique chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas ôtée. Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier de toute notre vie. » Alors je vous propose de commencer notre méditation par ce chant, dans le petit recueil « Louanges et prières », le cantique numéro 289, les trois strophes de ce cantique « Bienheureux qui t'aime », 289.
Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous unir à ta vie. Fais taire en nous toute voix contraire à la tienne et permets que nous sachions recevoir ta parole, non seulement l'entendre, mais la recevoir, la comprendre. Non seulement la connaître, mais aussi l'aimer. Non seulement l'apprécier, mais la mettre en pratique. Et pour cela, Seigneur, ouvre par ton esprit nos esprits et nos cœurs à ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Marie est aux pieds de Jésus et écoute sa parole, c'est très bien. Elle évoque ainsi une des façons d'aimer Dieu dans l'écoute et la contemplation. C'est une des façons d'aimer Dieu. Marthe en a une autre, les disciples qui sont en route avec Jésus en ont une autre aussi. Mais Marie nous donne une première façon utile d'aimer. Elle nous montre que c'est une bonne idée de prendre un peu de temps pour réfléchir sur les paroles du Christ et pour prier Dieu dans le silence. Elle nous montre que la prière, c'est d'abord cela, se placer devant Dieu, se placer même à ses pieds et à se taire, comme Marie le fait, se reconnaître ainsi inférieur à Dieu et l'écouter. Alors il y a aussi le temps pour se tenir debout en avançant et en servant les autres. Il y a aussi un temps pour parler et même pour discuter, débattre avec Dieu, comme le fait Marthe. Alors cela ne veut pas dire qu'il faille des personnes qui se dévouent pour être des Marthe et puis d'autres qui devraient se dévouer pour être des Marie finalement. Mais Marthe et Marie sont bien entendu complémentaires et toutes deux essentielles pour chaque personne individuelle. Car si toutes les deux aiment Dieu, Marthe s'épuise dans son service finalement. Elle s'aigrit peu à peu. Et il serait peut-être temps pour elle d'aimer maintenant, comme Marie le fait. Et quand Marie sera un peu en forme, elle trouvera peut-être alors les mots pour s'exprimer, pour se défendre, et elle pourra peut-être aussi, enfin, se mettre un petit peu au service des autres. Mais en aimant Dieu ainsi, Marie ne se sacrifie pas du tout, bien au contraire. Et donc, dans un sens, elle s'aime aussi un peu elle-même dans cette façon de se nourrir de la parole de Dieu. Prier ainsi comme le fait Marie, ça appartient donc à un amour de soi-même, un amour intelligent et utile, car Dieu est le créateur de la vie, excusez-moi du peu, il est une formidable source d'évolution, et donc en se mettant à son écoute, on se met à même de pouvoir progresser, grandir et être plus en forme. Mais cette prière n'est pas une fin en soi.
Jésus dit souvent que oui, c'est essentiel de veiller et prier, d'être dans l'écoute de la parole de Dieu, mais il ajoute toujours que cela n'est rien si on ne la met pas ensuite un peu en pratique, en allant vers l'autre, en acceptant de se mettre au service des autres et puis au service de Dieu aussi, et puis en acceptant parfois d'être aidé par les autres, car le service doit être mutuel. Si l'on entend cet appel de Jésus, on peut donc dire que Marthe est à un stade de développement plus avancé que Marie. Alors il n'y a là aucun jugement de valeur, bien sûr, mais comme un cheminement qui nous est proposé. Mais apparemment, la parole écoutée a déjà germé en Marthe et elle produit maintenant de bons fruits dans le service de l'autre et pour faire place au Christ dans le monde. Quand on lit un peu rapidement ce texte de Marthe et Marie, de Jésus chez Marthe et Marie, on a l'impression que Marthe se fait critiquer par Jésus et que c'est Marie qui a la première place. Mais ce n'est pas si clair que ça, évidemment, sinon ce ne serait pas une source de réflexion et d'intelligence. En réalité, Marthe est formidable. Enfin, il y a des choses formidables dans sa façon d'être, même s'il y a aussi des choses moins bien, mais c'est le cas, bien sûr, de nous tous. Alors on ne peut pas lui lancer la pierre. Mais reprenons donc ce texte, ce court texte, un peu en détail, pour voir ce qui est vraiment marqué. Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et Marthe le reçut dans sa maison. C'est donc bien elle, Marthe, qui reçoit Jésus et les disciples. Et donc Marthe est vraiment présentée ici comme le type même du chrétien. Elle nous invite à accueillir le Christ chez nous. Et même, nous dit le texte, à l'accueillir dans son cheminement, à l'accueillir donc dans sa dynamique. Ce n'est pas seulement le regarder et l'adorer, mais c'est entrer dans une démarche christique que Marthe nous invite à faire. Mais évidemment, recevoir Dieu dans sa vie, ça demande d'y consacrer un certain temps, une certaine énergie, très concrètement, comme Marthe qui se décarcasse pour recevoir Jésus et les disciples qui passent. Alors chacun son rythme, chacun de pratiquer sa recherche de Dieu, ici à l'oratoire physiquement ou autrement, chez soi, par internet ou autrement. Chacun sa façon de pratiquer, mais de toute façon, la recherche de Dieu demande toujours un certain investissement de notre part pour accueillir très concrètement Dieu dans notre vie. Et l'existence même de l'Église est due à des Marthes, pour construire, pour éclairer, pour donner de l'argent, pour jouer de l'orgue, pour filmer, pour accueillir, pour transmettre cet Évangile, pour débattre, pour le faire vivre autour de cet Évangile. Heureusement, oui, qu'il y a des personnes comme Marthe, sinon nous n'aurions même pas entendu parler de Jésus-Christ. C'est ainsi que nous avons pu, comme Marie, oui, laissez Dieu nous parler un peu. Marie est donc au pied de Jésus et l'écoute. Marthe, occupée à divers multiples services dans la maison, survient auprès de Jésus et lui dit « Seigneur, est-ce que cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Alors là, il y a du bien et du moins bien dans l'attitude de Marthe. Ce qui est formidable, c'est qu'elle est vraiment au service des autres. Elle n'a pas honte de se retrousser les manches et de servir au lieu de faire la princesse chez elle et d'attendre que tout lui tombe tout cru dans le bec. Marthe est donc, elle, oui, passée de l'écoute de la parole de Dieu au service de l'autre, des autres et au service de Dieu. C'est ce que Jésus nous invite à faire par ses propres actes, mais aussi par ses paroles, et en particulier par cette célèbre parabole du bon samaritain qui précède tout juste cet épisode de Jésus chez Marthe et Marie. Peut-être que si Marthe parle comme ça de sa sœur à Jésus, c'est qu'elle se préoccupe du salut de Marthe, de sa sœur Marie en fait. On connaît un autre épisode dans l'Évangile selon Jean où Marthe aussi se préoccupe du cheminement de Marie et l'aide à avancer. Marthe peut-être trouve que
Maintenant que sa sœur a bien écouté Jésus, il serait temps qu'elle passe à l'application pratique de ce qu'elle a entendu, qu'elle puisse enfin se lever, regarder un peu autour d'elle et donner un coup de main. Je dirais la même chose à quelqu'un qui serait tout le temps en train de prier, de lire la Bible. Eh bien, je lui dirais que c'est trop, qu'il est temps de fermer la Bible, d'arrêter de prier et puis de se mettre un peu dans le monde. C'est comme prier sans cesse, ce serait comme construire un superbe bateau dans son garage et puis de rester tout le temps à le briquer et de jamais ne l'amener à un bassin pour le faire naviguer. Alors c'est vrai que Marie, elle écoute Jésus et qu'elle n'a apparemment aucune pensée pour sa sœur qui fait tout le boulot. Elle aurait pu soit lui donner un coup de main, par exemple, soit aller la voir pour lui conseiller de s'arrêter un petit peu, de simplifier ce service et de prendre un temps de pause pour, elle aussi, écouter Jésus à son tour. L'attitude de Marthe n'est donc peut-être pas si mauvaise. Mais oui, il y a quelque chose quand même de discutable, c'est qu'elle donne un ordre à Jésus. « Dis à ma sœur de m'aider ». À mon avis, c'est une mauvaise idée de dire à Dieu ce qu'il devrait faire. On a tout à fait le droit de dire à Dieu qu'on n'est pas d'accord avec lui, de discuter, de débattre. Il y a de nombreux exemples dans la Bible où c'est le cas. Mais ce qui n'est pas bon, c'est d'oublier que Dieu est Dieu en se pensant être son supérieur ou même son égal. Alors c'est un peu ce que fait Marthe quand même. Marthe a vraiment écouté la parole de Dieu, ça l'a élevée. En lui donnant une générosité formidable, oui, une force aussi. Mais ça ne devrait pas être une raison pour autant de se croire supérieur à Dieu et de lui dire ce qu'il devrait faire. Et Marthe, c'est vrai, elle semble à un état plus avancé de la foi que Marie. Mais là non plus, ça ne devrait pas être une raison pour mépriser sa sœur, pour ne même pas lui adresser la parole. Si vraiment elle s'intéresse à sa progression, elle pourrait la prendre par la main, je ne sais pas moi, l'entraîner, lui dire ce qu'elle a sur le cœur, lui poser des questions. Alors Jésus répond à Marthe. Il lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour de multiples choses. Une chose unique est nécessaire. » Alors la façon dont Jésus appelle Marthe dans cette réponse montre vraiment tout le respect immense que Jésus a pour Marthe. En effet, dans la Bible, quand une personne est appelée avec son nom redoublé, c'est toujours pour de grands, grands serviteurs de Dieu qui sont à la fois dans l'écoute de Dieu et puis dans le service de l'autre. Alors donc, bravo à Marthe. C'est sans doute une reconnaissance du fait qu'elle est vraiment une grande personne au service de Dieu. Mais Jésus lui fait remarquer qu'elle se préoccupe et qu'elle s'agite dans des multitudes de choses. Alors c'est plutôt ça en fait sur lequel Jésus met le doigt. À force d'être dans l'action, sa vie se disperse, elle s'éparpille, elle devient comme un chaos. Non seulement nos actes s'éparpillent, mais Jésus nous dit nos pensées aussi sont toutes défaites. On se met à confondre Dieu et son chien, on croit que l'action peut tenir lieu de prière, on considère comme vitales des choses qui pourraient être infiniment simplifiées. Une seule chose est nécessaire, dit Jésus. Ce qui est nécessaire, finalement, c'est d'unifier son être et sa vie. Que le service de l'autre nous vienne finalement comme un prolongement de notre écoute de la parole de Dieu et de notre prière, et que la rencontre de l'autre soit une occasion d'élever notre cœur vers Dieu dans la louange. Mais à force d'être dans l'agitation, nous nous dispersons. Jésus lui-même, d'ailleurs, n'y échappe pas, apparemment, puisque bien souvent, après des temps d'intenses rencontres, actions, débats avec des foules diverses, Jésus, tout d'un coup, renvoie tout le monde, d'ailleurs assez brutalement, pour se retirer seul et prier, pour se recentrer autour de l'unique, finalement, de cet unique absolu qu'est Dieu, et que dans cette rencontre, Dieu puisse retisser les brins dispersés de notre être
Puis s'élaguer aussi les multiples branches mortes et folles qui jaillissent de notre être. Toute la question est donc de savoir où nous en sommes à un moment donné. Est-ce le moment de s'arrêter pour écouter Dieu, le laisser unifier notre être, rassembler notre être? Ou bien est-ce le moment de sortir vers les autres pour les aider, pour les servir, pour annoncer la parole de Dieu? Eh bien, Marie a choisi, et elle a bien choisi. Elle a choisi la chose qu'il fallait au bon moment pour elle. Le mieux, à ce moment-là, pour elle, c'était de s'asseoir aux pieds de Jésus et d'écouter. Marthe aussi a choisi, peut-être qu'elle a bien choisi au début, grâce à sa foi, pour que le Christ puisse être entendu par ses proches, d'être dans le service, l'agitation matérielle. Et elle a bien choisi de s'arrêter une seconde pour aller voir Jésus, quand elle a senti que ça n'allait plus finalement. Quant à Marthe, c'est vrai qu'elle parle sans doute maladroitement contre Jésus et contre sa sœur, mais au moins c'est vers Jésus qu'elle va. Et c'est bien mieux que de garder toute cette rancœur, cette rancune dans le silence en elle-même. Ou c'est même peut-être finalement mieux d'aller confier à Dieu notre préoccupation, notre souci, notre rancune contre l'autre, plutôt que de tout le temps déverser des tombereaux d'ordures autour de soi en disant du mal. Au moins, c'est vers Jésus qu'elle va. Pour peu qu'elle écoute ce que Jésus lui dit, elle va maintenant pouvoir s'arrêter un peu et recevoir du Christ, oui, une paix qu'elle n'avait plus. Une nouvelle capacité à aimer alors que son amour faiblissait finalement et l'amenait à avoir le mal dans sa sœur et même avoir le mal en Dieu finalement. Alors oui, il y a une place dans notre vie pour l'écoute de Dieu avec Marie. Il y a une place pour le service avec Marthe, une place pour le silence et une place pour le débat avec Dieu. Ces deux axes sont faits pour aller ensemble dans chacune de nos vies individuelles, dans notre journée, dans notre semaine et dans notre année, avec des temps de retraite, des temps de service. Mais il y a dans cette histoire une troisième figure importante qu'il serait bien dommage d'oublier. Ce sont les disciples de Jésus. Si le texte prend la peine de nous les présenter au début, ce n'est certainement pas pour rien. Ils sont eux aussi une figure de ce qu'il est bon d'être, puisque le texte nous dit qu'ils sont en chemin avec le Christ. Ce chemin qui est la vérité et la vie, nous dit l'Évangile. Ils entrent avec le Christ chez Marthe, probablement, ou alors ils restent dehors, on ne sait pas, mais ensuite on ne les voit ni aux pieds de Jésus pour l'écouter, ni à la cuisine pour aider leur prochain avec Marthe. Quelle est donc cette troisième activité essentielle pour l'homme, pour le fidèle, activité essentielle pour vivre qui ne soit ni le service de Dieu, ni le service de l'autre? Eh bien, c'est le repos. C'est sanctifier le temps du repos dans notre vie. Alors les disciples de Jésus font peut-être la sieste, ils bavardent entre eux peut-être de tout et de rien, ils prennent peut-être l'apéro en attendant que le repas se fasse tout seul. Qu'importe. Il y a dans ce temps de jachère un temps pour nous rappeler la grâce de Dieu, oui. Que la grâce de Dieu suffit à elle-même pour justifier nos vies. Et qu'une existence humaine, même improductive, même quand elle n'est pas en prière ni dans le service, qu'une existence humaine a, par la grâce de Dieu, une existence infinie en elle-même. Oui. Voilà. Un temps de repos, un temps pour nous rappeler que nous ne sommes pas à l'usine, que la religion est un moyen et non pas une fin en soi, que le service lui aussi est une grâce avant même d'être un devoir. Et donc il y a trois amours essentiels, nous dit Jésus, aimer Dieu, aimer son prochain et aimer soi-même. Marie, dans la contemplation, elle laisse Dieu travailler en elle-même, elle l'incarne donc, le juste et l'intelligente amour de soi-même. Marthe, dans le service, travaille avec Dieu pour son prochain, et c'est le second amour. Les disciples, s'ils vivent ce temps de repos comme une bénédiction, oui, ils aiment Dieu, et ils font toute place en eux à sa grâce.
Et donc tout est une question de dosage entre ces éléments à chaque instant, une question de choix à faire avec un peu d'intelligence et avec beaucoup d'amour. Amen.